Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 45 du Let Me Play. Donc la dernière fois on s'était laissé ici à Sagittin, j'ai pas bougé. Et faut qu'on continue la quête des tout simplement statues vivantes. Si on peut appeler ça... Enfin ça peut être considéré comme une quête, enfin oui c'est une partie de la quête en gros. Et donc faut que j'en tabasse jusqu'à qu'elle me drop un livre, donc ça va prendre un peu de temps. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre encore, mais bon, j'ai déjà galéré sur les premiers. Donc je serais pas étonné que ça prenne encore plus de temps. Je vais bien soigner mes persos parce que les statues vivantes peuvent faire des coups critiques et ça c'est vraiment pas très très gentil. Donc voilà. On y va. Donc on avait terminé déjà la quête du... Non, ça c'est très chiant. Oh, j'étais bloqué. Ça commence très très bien. On a deux sacs à trésors. Oh, vas-y, je vais me le faire. Alors, pas boum métal en fait, faut que je fasse. Je vais juste taper. Mais bon, deux sacs à trésors, ça donne pas mal de thunes. J'en profite. Je one shot les sacs à trésors avec un boomerang. Ok, ça marche. Je pensais pas. Donc là, hein, c'est clairement notre dernière quête. Genre après, on a plus rien. Il y a juste des quêtes dans des antres, mais du coup, je pourrais partir vers les antres. On a fait toutes les quêtes les plus chiantes, je dirais. Il reste plus que celle-ci, qui est affreuse. Je veux dire le boomerang, déjà que c'est une arme. Pas, enfin, si en vrai ça peut être stylé. Mais bon, déjà que c'est sous-côté le boomerang, je dirais. Que c'est particulier en plus de ça. Si en plus les quêtes sont infâmes. Non, personne ne jouera boomerang. Très clairement. Enfin, en vrai, est-ce que c'est vraiment sous-côté le boomerang? Je sais pas. C'est peut-être juste de la merde. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Je pense que c'est surtout de la merde. T'es sérieux? Mais quel fils de... Ouais, voilà. Non mais franchement... Déjà je ne savais pas que ces monstres avaient ce sort. Genre vraiment, je ne savais même pas. Alors, en plus... Elle l'utilise quand je tape au boomerang. Donc du coup, c'est vrai que je tape plusieurs cibles en même temps. Là ça fait un... Enfin, je crois qu'elle a pas totalement heal en entier la... Le cardinal crotal. Attends, non, c'est pas un cardinal crotal, c'est un vicaire vipère ça. Mais ouais. Je ne m'attendais pas à ça, très clairement. Ça, c'est chiant comme formation parce que ils peuvent me ruiner. Enfin en vrai ça va. C'est juste que... C'est fracoucas qui peuvent être très chiantes et que les protections. Encore énervé la statue. J'aurais peut-être dû heal mes auras. Ah, il y en a deux. Intéressant. Quand il y en a deux, faut que j'en tape
En vrai, je m'en fous. Faut juste que j'en tue une. La deuxième, je pense pas qu'il y ait besoin de la tuer. Faut au moins que j'en tue une. Je pense pas qu'il y en ait un. Enfin, qu'il y ait un monstre particulièrement qui est désigné comme le maître monstre. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que j'ai fait une grosse connerie. Imaginez. Imaginez qu'à cause de cette action, la vidéo. Enfin, je vais passer dans la vidéo 20 minutes de plus à faire cette quête. Ah. Le retour des drops de Silex, etc. Voir un coup, on attend. Pas possible, les statues vivantes. Elles sont très colériques. Donc je vais me soigner. Tac. Ah nice, il y en a une autre. Le coup critique fait à peu près entre 120 et 140, je crois. Donc en vrai, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre vraiment, faut se calmer. Elle s'énerve tout le temps. C'est pas possible. Bon, même si c'est la dernière quête et qu'après j'ai fini, j'aimerais bien ne pas y passer 3 heures. Enfin, c'est même pas vraiment la dernière quête, hein. Il m'en reste encore des quêtes d'armes. Mais c'est la dernière chiante. Qu'on peut qualifier de chiante. Donc voilà. J'ai très envie que ça se termine. Statues vivantes sont des monstres très comment dire, sanguins, je sais pas, très colériques, je sais pas comment dire ça, mais vraiment faudra se calmer monsieur quoi. Des stats, hein. Je crois qu'après cette quête, hein, je ferai des stats pour voir à peu près quel pourcentage de chance on a de dropper le livre au bout d'un moment. Parce que là, j'ai galéré un peu sur les trois en vrai. Et même, je me souviens, j'avais recommencé la vidéo. Mais je comprends pas pourquoi ce monstre s'énerve autant. C'est les autres ne s'énervent pas comme ça. C'est bon, apparemment, il y a des monstres qui ont des tempéraments différents. C'est marrant. Je leur rajoute un petit peu de personnalité. Et donc je disais, oui, j'avais même recommencé une vidéo parce que j'avais passé une demi-heure, genre vraiment une demi-heure entière, à essayer de faire la quête du... Enfin, la première partie de la quête. Genre celle avec les... Avec les... Ouf, là, du calme.
Ah, mais ça, c'est très bon signe. Ça, je trouve ça pas mal parce que. Ah, c'est merde, Silver, il a beaucoup de PV. Ah aïe aïe aïe. Alors, attendez, comment on fait ça? Faut que je tape toi et qu'il lance mon défense. De toute façon. Ok, bon, non mais tout va bien, hein. Clairement là, ça se passe extrêmement bien la quête. Y'a aucun souci, je vois pas de quoi vous parler. Non mais tout se passe très très bien. Y'a aucun problème. Là je vais en taper deux et elles vont tous aggro sur... Ah non, elles vont pas aggro sur moi. Ok. Je me prends un coup critique, là je suis mort. Je vous le dis, hein. Je crois que vous l'avez remarqué. Si Silver se prend un coup critique, il est mort. Ok, elles font de la tension. Je crois que je vais faire carrément un bouclier humain sur Silver parce que j'ai pas envie de le perdre. C'est. Non mais c'est triste hein, mais là par contre je suis vraiment dans la merde. C'est terrible. Genre là. C'est la galère. Ah ça y est, je l'ai. C'était le combat. Incroyable. Putain. Oh là là, ce combat, mon dieu, terrible. Nous avons subi de nombreuses pertes, mais tout va bien. Alors dites-moi pourquoi. Attendez, c'est bizarre parce que je me souviens, à un moment je voulais faire une reconversion et je ne la trouvais. Attendez, quoi, y'a un bug là, c'est pas possible. What the fuck? What? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce merdier? Genre vraiment. Je ferme le truc quand je réouvre. Ok, nice bug. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Alors, évacue cloche. Il m'en reste 4. Plus que 3. Allez, reprenons l'écran du bas, un peu là, ça fait longtemps. Téléportation, alors on va passer à la morteresse, ici, pour ce full heal, d'un seul coup. C'est très sympa, je trouve, comme coin. Et puis après je peux rendre les quêtes. Là j'ai fini. La plupart des quêtes. Il reste juste quelques quêtes que j'effectuerai dans les antres. Comme celle de Saint-Claude. Qui est. Oui, c'est par là. Qui est un petit peu chiante, on va dire. Tuer. Combien? 10 monstres? Sans équipement, il me semble. Je crois que c'est une connerie du genre, je sais plus. Enfin bon, téléportation sans sévère. Donc le boomerang c'est par là. Non, c'est pas du tout par là, c'est à l'opposé. Mince. Ici. Voilà. Alors, as-tu trouvé les choses dont il était question dans le défi? Donc je te donne les 3 parchemins, voilà. Non, incroyable, tu as les 3 parchemins. Tiens, je te les échange contre ça. Le retour sur le boomerang. Lancer l'ultime, meilleure aptitude de boomerang qui soit, voilà. Donc ça c'est un. C'est une attaque de type éclair, il me semble. Ah et c'est toi la prof de boomerang. Appelle-moi mademoiselle Katia. J'aime bien. Très bien, t'es bien, très bien. Je la respecte. Ensuite, il y a qui que je dois aller voir? Serge. Et Madame Maillet aussi. Madame Maillet, elle est là, à gauche. Tac, voilà. Ça alors, je n'en reviens pas. Oh, c'est merveilleux, vraiment, on est merveilleux. Tu as réussi, mon petit. Tu as vaincu un gland de mercure à l'aptitude multimassue, félicitations. Alors donc, marteau des mages, je sais plus ce que c'est. Mega Bunga. Permet de faire exploser une quantité énorme d'énergie négative
Mets ce livre dans ta poche après t'être équipé d'une masse et tu pourras te servir de cette aptitude. Ok. Bon. Mega Benga, je sais pas. J'ai jamais utilisé ça, je crois. J'avoue que je crois que je me suis jamais servi de la masse tout court en fait. Je crois que c'est surtout ça. Alors, Serge. Donc je suis aussi un griffeur d'exception, hein. Technique de griffe, je vais avoir la main de Dieu. La main de Dieu, une attaque ultra extrusive, ses ennemis croiront que l'heure du jugement dernier a sonné. Ok. Ça marche. Tu sais, c'est là que l'attaque c'est juste une petite gifle. Bon, bah là je crois que c'est bon, hein. Si on va dans le résultat des combats, je suis plutôt bien. Alors, quête normale. Une quête pharaonique, ça faudra que je tabasse Némé avec une perche. C'est un plaisir ça. L'ultime challenge, ça c'est encore plus compliqué parce que franchement, je dois tuer 50 adversaires. Franchement, ça fait beaucoup, hein, 50 adversaires. Et puis après, on a mission sagesse, Atlas, donc j'ai pas encore trouvé un entrée avec Atlas. Il va falloir essayer de trouver ça. Niveau quête, attendez, on va refaire un carré. On va récapituler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excusez-moi. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42 c'est les bling bling blaireaux, je peux pas la faire parce que j'ai pas d'entrée avec les blaireaux bling. Donc après 47, 48, 49, attendez j'ai fait sinon, ouais, 43, 44, 45, 46, ouais, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, je les ai pas faites. Je crois qu'elles sont chiantes, je sais plus ce que c'est 58, 59, il me semble que c'est, il y a l'histoire du, il y a Cyclopathie. Et je sais plus trop quoi. Donc là, dernier vœu de surtout. Donc ensuite, attention les yeux, moisson d'exécution c'est fait. 68, 69, 70, 71, 72. Ah, reflet de l'âme. Oui, donc ça c'est quête pharaonique. C'est un. Attends, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. C'est un truc avec pharaonique, mais. Donc ça c'est la 72 avec Némé. 75, 76, 77. Après il y a celle avec l'éventail que j'ai pas pu faire encore parce que j'ai pas encore des points dans l'éventail. Ça va couper donc 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et puis après il reste la dernière à faire, la 90, celle avec les 100 points là dans les antres, qui est un petit peu compliquée. Puis après c'est les quêtes de vocation, hein. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci, j'ai fait liberté pour les fées, j'ai pas fait liberté pour les... Enfin j'ai pas fait la suivante, celle du mage niveau 43 que je la fasse. Les amis de haut vol, je l'ai faite. Et j'ai pas fait crier au loup non plus. Ah, il faudra que je fasse ça aussi. Donc ça j'ai fait, ça j'ai fait. Donc en gros ce que j'ai pas fait c'est celle... de l'artiste martial et celle du mage niveau 40. C'est ça. Juste ça, oui, c'est voilà. Parce qu'il me manque 96. Non, attendez, il m'en manque plus. 96, 97, 98. Ouais, non, c'est bon, ça en fait 3. Excusez-moi, je ne sais plus compter. Après, j'ai fait ça. Donc. Dans les quêtes avancées, objectif gladiateur, j'ai fait. Pour rendre service, j'ai fait. Je peux pas faire, c'est la 105 parce que je suis niveau 30. Supplément d'âme, record abattre, j'ai fait. Des archimérisations, j'ai fait. Cœur du ranger, j'ai fait. Un vrai ranger, j'ai fait. Attends. Fin de sagesse et voilà, après il me reste qu'est-ce qu'il me reste, il me reste les quêtes du sommité. Alors soit je me give un antre de façon non legit, soit je trahir les ans comme un gros porc, mais bon ça va être
très très long, je sens. À voir. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, on va faire des antres. On va d'abord faire de l'alchimie. D'abord un peu d'alchimie. Donc, direction Ablicia. Alors, alchimie. Faisons cette marmite. Tiens, je fais un petit save parce que ça fait plus longtemps. Slot 3, je sais jamais mes slots. Comment j'organise ça, c'est une catastrophe. Alors, objet. Pour l'agate, qu'est-ce qui me manque? Tout. ah, j'ai pas de chronocristal, voilà, c'est ça le problème. Est-ce que j'ai les sous? La question est-ce que j'ai les sous? Je pense que j'ai les sous. Ouais, j'ai les sous. Easy. Est-ce que j'ai des sous en banque? Ça m'étonnerait, mais bon. Au cas où. Voilà, j'ai rien. Bon. De toute façon, je suis jamais mort, donc hein, vous savez que j'ai pas besoin de donner mes sous. Je ne fais confiance qu'à moi-même. donc, du coup, bah, faut que je fasse un tour. Alors, non, je vais me téléporter. Et après, j'utilise l'Orion. Alors, école, c'était peut-être pas le mieux. Je voulais me téléporter à Saint-Sever, mais j'ai fait de la merde. Ah oui, tiens, tous mes trucs, là. C'est un peu une catastrophe. Le fouet, c'est qui là qui s'en sert? Bouclier, non. Vérité du voleur, pourquoi pas. Précis du paladin, je vais le donner à quelqu'un d'autre, genre Boekila. Ah non. Je vais le donner à. Si, quoique. J'ai des bandages crasseux, je sais pas ce qu'ils font là, mais bon. J'ai peut-être besoin de bandages crasseux pour quelque chose. Pour quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Après, on a. Révélation, ouais, ok. Guide du guerrier, hache inspirée. Donc là, du coup, je vais lui donner marteau des masses. Retour sur le boomerang, ça c'est pour. Ah bah oui, j'ai des trucs à donner à Silver. Tac. Donc du coup. Hache inspirée. Pratique du poignard, c'est pour Aquila ça. Et retour sur le boomerang, c'est pour Silver. Qu'est-ce que je vais virer? Le traité du troubadour. Voilà. Et qu'il a art de la baguette, technique de griffe, faut que je donne à Shadow. Ah, Shadow qui a pas tant de choses que ça. Et puis voilà. Là, je crois que c'est bon. Au niveau de mes livres, c'est correct. Donc, je vais aussi m'équiper un peu mieux. On va virer ce qui est boomerang. Tiens, Silver va devenir un homme d'Elric. Ça se dit pas. Il va prendre la panoplie d'Elric. Alors. Où est le home d'Elric? C'est qui a volé le home d'Elric? Personne. Je ne l'ai pas le home d'Elric? Non, si, je suis sûr de l'avoir. Ah, moins que je ne l'ai pas. Ah bah non, je suis con, je l'ai pas encore. N'importe quoi. Alors, donc, armure de pique. Faut prendre un truc un peu mieux, un peu plus stylé. Armure sainte, armure sacrée. C'est pas mal. On va lui équiper des gantelets lourds. Ou des brassards d'effort. Ouais. Collant vert, c'est bien. Botte de protection. Peut-être y a un truc un peu mieux. Alors c'est vrai que j'ai que dalle niveau botte. Horrible. Ouais, on va prendre ça. Brassard de choc. Plutôt prendre du défensif pour lui. Écaille, voire même amulette.
Ouais. Alors, Misora. On va lui mettre. Épée miracle. Ouais. Épée miracle. Bouclier douté. Attends, qu'est-ce qui est. Quel est le meilleur bouclier? Ah oui, il n'y a que du lion de métal. Ouais. Masque filigrane, je sais pas si je prends ça. Masque de fer. Mais du coup filigrane, je crois que c'est mieux. Ouais. Coiffe de servante, c'est pas mal. La tiare est pas terrible. Ouais. Mince. La carapace de tortue, je vais virer, hein, parce que voilà. Tiens, on va prendre des gantelets de trempe-acier. Une armure de pique, non. Après, quoique. Non, ça peut le faire. J'aurais bien bien stuff, elle. Full acier et tout, trempe-acier. Des trucs bien costauds, comme ceci. Botte de protection, du coup, je prendrais. Ouais. Parce que j'ai les bottes de Draco Guerrier, mais. Après, c'est qu'il reste quoi? Ah, les soldats de trempe-acier, ok, je l'ai donné à Misora du coup. Et on va lui donner un brassard d'esprit. Ou alors, je sais pas. Ouais, brassard d'esprit. Tac. Et qu'il va garder la pure lame. Alors, bouclier ténèbres, je pense que c'est le mieux parmi tout ça. Je regarde vite fait, mais je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Ah, si, bouclier d'argent. Le foulard d'Hermès est très moche, je le virerai. On va lui mettre une tiare, ça peut être joli. Ou la coiffe de servante. Oh, elle est pas mal comme ça. La jupe magique, je crois qu'elle est pas mieux, non. Et puis c'est moche du coup, pour le coup. On va lui mettre des bottes de protection. Je pense que c'est bien. Bague d'agilité bof. On va lui mettre ça. Brassard de choc. Et enfin Shadow qui va prendre une épée. Bah, la mieux qu'il y a. Je sais pas laquelle est la mieux. Lame de l'aurore, oui. C'est sûr que c'est mieux que l'épée ardente. Épée large trempe-acier. Épée de soldat. Fleur anti-magie, c'est un peu moins bien. Sacré. Ah, fléau des dragons, un peu mieux. Alors il y a bouclier du désastre que j'ai, mais ah, bouclier des ténèbres, bien sûr. Alors, homme de gland de métal, c'est pas ouf, mais je pense que j'ai pas trop le choix. Ouais, pas trop le choix. Là, armure ésotérique, j'aime pas trop. Enfin, en fait, ou alors faudra que je vire le home. Je sais quoi, on va mettre autre chose parce que c'est moche, je trouve. Après, j'ai pas grand chose d'autre quoi. Masque de fer, non. Je ne vais pas mettre ça. Diadème, c'est pas comme si ça protégeait pas du tout. Masque de brute. J'aime bien ça. Ouais, sinon, des oreilles de chat. Au pire, je remets le home, hein, c'est pas grave. Je voulais faire quelque chose de joli, mais tant pis. Alors, brassard de santé, et puis après c'est bon. Voilà, j'ai équipé enfin mon équipe. Ça a pris un peu de temps, mais voilà. Alors, donc là, je veux utiliser le sifflet vers. Vers la boutique au Chrono Cristo qui se trouve tout au sud. Alors donc bonjour, je vais acheter un chronocristal. Et il ne peut pas aller ailleurs que dans mon sac parce que
L'inventaire de mon équipe est plein, de toute façon. Allez, c'est parti pour alchimiser le... l'agate d'évolution. L'unique. Alors, objet. Faisons d'abord... voyons voir, on va y aller petit à petit. Donc pour solidité sacrée, il me faut un éclat d'étoile en plus. Donc non, j'en ai même aucun, je crois. Ah oui, peut-être qu'il me manque un peu de pierre de lumière. Parce que attendez, j'ai combien de solidité sacrée? J'en ai aucun. Et là, il me faut un solidité sacrée de plus. Ok, donc il manque une pierre de lumière. Ouais. Ok. Ça c'est la première chose que je remarque. Ensuite, élixir du sage. Est-ce que je peux m'en faire 4? Oui. Ouais, large. Je suis surpris que j'en ai aucun élixir du sage. J'ai du coup tout claqué pour le premier. Agate. C'est peut-être même le troisième que je fais là en ce moment. Plume astral, c'est là. Qu'est-ce qu'il me faut? Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. J'en veux 4. Ah, bah je peux pas. Ça bloque pour l'eau fraîche. Comme c'est dommage. Alors, panacée universelle, il m'en faut. Pierre enchantée, il m'en manque d'ailleurs. Non, quoique. Non, c'est bon. Il me faut 2 panacées universelles. Alors, panacée universelle, je n'ai pas de panacée, je n'ai pas de remède spécial, faut qu'on fasse des remèdes puissants. Tac. Ah, c'est tout un processus hein, pour faire un agate d'évolution de A à Z. Voilà, là je peux faire combien de panacées? Une seule évidemment. Donc ensuite, au magique, non. Terre sacrée, ça va encore me manquer hein, bientôt. C'est incroyable. Au magique, vas-y, je vais m'en faire une. Est-ce que j'en ai beaucoup de l'eau magique? Non, il m'en reste plus qu'une, donc vas-y, je vais m'en faire une pour compléter l'alchimanac. Enfin, compléter mes recettes effectuées, quoi. Pour le fun. Alors, panacée universelle. Ah non, faut que je fasse d'abord la panacée. Donc là je peux en faire 2. Pas plus malheureusement. Après potion étrange, faut que je m'en fasse je crois. Ensuite, donc là, j'ai pas encore mes pierres ésotériques, faut que j'en fasse 2, voilà.
là, ça y est, j'ai mes deux pierres ésotériques. Il manque plus que les deux solutés. C'est le truc le plus chiant à faire, les solutés. Hein. Très clairement. Soluté, vous voyez qu'il me manque. Un éclat d'étoile. Pour... Il m'en faut deux, hein, soluté. Donc il me manque un éclat d'étoile et une plume astrale. Et pour en faire une plume astrale en plus, il me faut malheureusement une fiole d'eau fraîche en plus. Et il me faut deux pierres de lumière. Donc on va aller chercher ça. Alors, eau fraîche. J'espère que je peux en trouver à Rivesal. Oui, je vois, ça scintille. Nice. Oh, il y en a trois. Ça, c'est merveilleux quand il y en a trois. Et après, faut que j'aille vers Ouadi, je pense. Je pense que ça suffira. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est nice. Parfait. Donc du coup, on... Attendez, je vais carrément descendre pour voir s'il y a des tissus sombres. Ça sera fait. Et il y en a, effectivement. Là c'est bon, j'ai de quoi me faire un autre éclat d'étoile. Je peux même en faire deux, je pense. Alors donc. Plume astrale. Après, il me manque des plumes devant. C'est marrant ça. J'aurais peut-être pu aller en chercher. Donc là, les clés d'étoile, je peux en faire deux, ouais. Là c'est bon. Pierre ésotérique, je vois. Pierre enchantée, est-ce que je peux en faire? Non, je peux en faire deux. Je vais me les faire. Et si je veux me refaire des pierres ésotériques, est-ce que il me manque juste les panacées universelles en vrai? Vas-y, je me refaire deux panacées universelles. Remède supérieur, j'en ai combien? Remède spécial, j'en ai combien surtout? J'en ai deux, donc il me faut deux remèdes supérieurs, donc je dois me faire deux remèdes puissants. Panacée. Assez.
plaisir de faire toutes ces recettes d'alchimie, de cuisiner. Tac. Moi j'y prends beaucoup de plaisir. Je sais pas si vous vous aimez faire de l'alchimie, mais moi j'aime beaucoup. Donc là, pierre ésotérique, voilà. Donc là voilà, j'ai 4 pierres ésotériques sur moi, c'est pas mal. Soluté sacré. Oui, c'est bon, je crois. Oui. Parfait. Et enfin, mesdames et messieurs, voici le superbe agate d'évolution. Waouh, incroyable. Toujours quelque chose. Ça fait toujours quelque chose de faire, de fabriquer ça à l'alchimie. Bon, sauf quand on a fait 50 et que tu ne triches pas pour l'alchimie miracle et que du coup, bah, faut en refaire un nouveau 4 quand tu rates l'alchimie miracle. Hein. Voilà. Donc du coup, la question que je me demandais, c'est est-ce que j'en ai. Tiens, d'ailleurs, je vais organiser mes objets. Voilà, tac. Comme ça, j'ai mes trucs qui sont bien dans le dans l'ordre. On va faire une petite save, tac. Alors, agate d'évolution. Je t'ai vu, j'en ai deux. Ok. Donc, j'en ai deux. Bon, en vrai, c'est bien quand même. Ouais, par contre, je sais jamais pourquoi. Genre, c'est pas un objet courant, ça. Faut pas que ça aille dans le sac. Voyons donc. J'ai des sous de vie à vendre. Et voilà, alors. Là, on est à 53 heures de jeu tout pile. Bah du coup, voilà. Au final, j'ai pas fait d'entre aujourd'hui. Mais bon, la semaine prochaine, on commence ça, c'est sûr. À moins que je décide de faire les quêtes de vocation, je sais pas. Je vais voir. Mais je préfère, je pense, je vais faire XP qu'à mon gladiateur. Donc le faire XP, c'est-à-dire que je vais sûrement faire des antres. C'est comme ça que ça XP tout seul. Et essayer d'avoir des meilleurs antres. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde. Mince, je me suis raté, on recommence. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde. Voilà, là c'est bon, quand même.